Alors, bienvenue à tous pour la revue d'actualité de l'OSIR. Donc, revue particulièrement chargée, puisqu'en fait, ça n'a pas eu lieu en juin, ni en juillet, ni en août, mais ça, c'est habituel. Et donc, nous voici en septembre. Finalement, c'est un peu comme le FIC qui a été repoussé de mois en mois. Aurélien, effectivement, s'excuse, puisqu'en fait, Aurélien vient de démarrer un nouveau poste dans une nouvelle entreprise depuis 2 jours. Donc, c'est un peu compliqué pour lui de s'extraire pendant 1 heure ou 2 pour venir nous rejoindre. Et effectivement, à noter le retour de Nico, qui j'espère bien, enfin qui nous a déjà beaucoup aidé et qui donc va continuer à nous aider pour l'organisation des mardis. Et qu'est-ce que nous dit Marc-Antoine? Code pénal, bon, on verra ça plus tard. Alors, la revue est un peu chargée. J'ai fait une bonne partie de la revue avec Aurélien. Il y a certains articles qu'Aurélien a mis que j'ai même pas eu le temps de lire. Donc je les passerai rapidement, certains sujets sur lesquels je vais m'arrêter et d'autres que je vais vraiment passer très très rapidement. Alors comme traditionnellement, nous débutons par la partie veille sur les vulnérabilités. Je passe rapidement les bulletins Microsoft concernant tout ce qui est pérennité de Windows 10. Donc là, il y a quand même un certain nombre de systèmes qui sont arrivés en fin de vie. Donc si de votre côté en entreprise, vous avez ces versions, en particulier la 10, la 18.09. Si vous avez ces systèmes sur votre système d'information, ils ne sont plus maintenus, donc il faut les faire le passage aux versions, les autres versions majeures de Windows 10. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est assez chargé. Pour arriver à 4 gros sujets du moment, donc l'été a été très compliqué pour toute entreprise disposant d'ordinateurs et d'un système d'information de manière générale sous Windows, sous Active Directory. Parce qu'il y a eu plusieurs problématiques de sécurité qui sont sorties publiquement avec des codes d'exploitation ou des outils, et parfois avec des correctifs qui ont mis du temps à venir. Donc je vais commencer par la première vague, on va dire, concernant Exchange. Donc il y a eu en début d'année pas mal de vulnérabilités qui sont sorties sur Exchange, trouvées essentiellement par un chercheur qui est OrangeSight. Enfin, son pseudo c'est Orange, mais son vrai nom c'est Tsai. Chercheur taïwanais, je crois, vous me corrigez dans le chat si je dis une bêtise, donc, qui a trouvé un certain nombre de vulnérabilités sur Exchange avec la particularité d'avoir des exécutions de code à distance contournant l'authentification, ce qui fait quand même très très mal. Et en particulier, les vulnérabilités Proxylogon exploitées par le groupe Afnium, avec la particularité que l'exploitation, de ce que j'ai cru comprendre, était différente de celle d'Orange, sous-entendant en gros un bug collision. Exchange a aussi souffert de 4 RCE qui là ont été publiés, enfin découvertes et publiées par la NSA et communiquées à Microsoft pour correction. Là encore, vous me corrigez dans le chat, je ne sais plus exactement en détail, mais je crois que quand Orange Tsai a remonté ses vulnérabilités à Exchange, à Microsoft, il y a eu soit encore un bug collision ou un problème, ce qui fait qu'il n'a pas été rémunéré comme il aurait dû l'être vis-à-vis de ses vulnérabilités. Je pense qu'il a été un petit peu énervé, donc il a continué à insister sur Exchange et a trouvé pas mal de choses, en particulier Proxy Oracle et Proxy Shell. Proxy Oracle, entre guillemets, est un peu moins grave que les autres. Il a trouvé deux problématiques. La première, c'est une vulnérabilité. Une vulnérabilité qu'on ne penserait pas trouver aujourd'hui, qui est le padding, donc le bourrage, qui permet en fait de casser le chiffrement, et une XSS réfléchie qui permet de voler un cookie d'un client Exchange, enfin sur OWA, donc le client web de Exchange. Par contre, les autres problématiques, les autres vulnérabilités Proxy Shell sont plus graves, puisqu'au final, elles permettent en se chaînant, d'arriver à une exécution de code à distance. Là, je vous ai décrit un peu en détail, enfin, plus ou moins en détail, les différentes vulnérabilités. Ce qui est rigolo, c'est qu'au final, Exchange a un espèce de back-end en PowerShell qui permet d'exécuter du PowerShell restreint, mais ça permet ensuite d'exécuter du code et potentiellement on peut lever ses privilèges. En bonus, il a trouvé une autre vulnérabilité qui, pour le coup, n'a pas de petit nom. Et là, je vous ai mis un POC, mais parmi tant d'autres, il y en a eu beaucoup. Lorsqu'il a sorti son POC pour Proxy Shell, je crois que le POC est resté très très peu de temps sur son Git, mais comme il a déjà été et il l'a retiré assez rapidement parce qu'en fait il n'y avait pas de correctif, mais beaucoup de gens avaient déjà forké le Git, ce qui fait qu'ensuite des gens ont commencé à l'utiliser et l'exploiter dans la nature. Ça a fait également partie de l'histoire avec le FBI qui a patché entre guillemets un certain nombre de serveurs Exchange à l'insu de leur plein gré des entreprises qui en avaient, parce que ça présentait une problématique vraiment trop trop grave pour les entreprises américaines.
D'où la blague à un moment de se dire, pour patcher votre exchange, il suffit juste de connecter un VPN sortant avec une IP américaine pour se faire patcher par le FBI. Autre problématique qui est venue percuter celle d'Exchange, Serious Sam ou Hive Nightmare. En gros, sur un poste ou un serveur Windows, les secrets locaux, c'est-à-dire pas réseau, Active Directory, sont stockés dans la base SAM, qui est tout simplement une base de registre comptant les secrets protégés. Sauf que, allez savoir pourquoi, Microsoft s'est planté dans une des mises à jour de ces systèmes et la base s'est retrouvée avec une capacité de lecture pour tout utilisateur. Normalement, seul un administrateur ou le système est censé pouvoir avoir accès à la base SAM. C'est celle qui contient en fait les condensats de mots de passe qui peuvent être réutilisés pour du passe-the-hash. Par exemple, et le problème c'est qu'elle était accessible à tous, alors pas directement, uniquement en cas de volume shadow copy, c'est-à-dire en gros une sauvegarde, mais c'était potentiellement accessible. Ce qui a fait beaucoup rire et moquer la communauté, parce que c'était quand même c'est quand même la base de la sécurité de Windows qui, pour le coup, on peut se demander s'ils ont des tests de sécurité, tests fonctionnels, tests unitaires avant le déploiement ou la publication de correctifs. Autre drame pour tout administrateur Windows, la sortie de Petit Potam, ou aussi appelé parfois EFS Potam. En gros, c'est un Français qui a publié des outils qu'il utilisait pour tout simplement récupérer un compte particulier sur un environnement Windows, enfin via Active Directory plutôt, sans avoir de compte à la base, sans identification, donc en tant qu'anonyme. Ça utilise des appels RPC à une des fonctionnalités Windows distantes qui est basée sur le système de chiffrement de fichiers EFS. J'ai plus le nom en tête de l'appel. Il faudrait que je le retrouve. C'est EFS Remote Call Protocol, je crois, un truc comme ça. C'est assez simple. EFS RPC qui permet en fait d'appeler un contrôleur du domaine et de récupérer tout simplement le condensat du mot de passe machine d'administration du contrôleur de domaine. Dans le meilleur des cas, ça n'est que le NTLM V2, donc qui est plus compliqué à casser, en tout cas on est obligé de brute forcer. Dans le pire des cas, il s'agit du NTLM V1 qui se retrouve avec Garinbo Table en quelques secondes, et donc là on a un mot de passe machine d'un contrôleur de domaine, autant dire que le domaine est compromis immédiatement. Je ne l'ai pas mis. Je recommande fortement l'écoute de l'épisode effectivement du podcast Hack and Speak, dont parlait Nicolas tout à l'heure. C'est Hack, je vais le noter dans le chat, mais de toute façon c'est Hack. And speak, comme ça. Si tu l'as mis, c'est le cinquième point dans tes slides. Ouais, j'ai trop vu. Ah oui, effectivement, tu as raison. Donc je vous recommande l'écoute de cette interview parce qu'en fait, donc l'auteur déjà décrit la naissance de l'outil et révèle quelques petites vulnérabilités, entre guillemets, zéro day, assez rigolotes, qui fonctionnent. Alors, à la base, Microsoft n'avait pas prévu de correctif, puisqu'en fait, ce n'est pas une vulnérabilité, c'était une fonctionnalité. Et finalement, j'imagine, face au bruit que ça a fait, ils ont proposé un correctif partiellement complet en août. Et ils ont attribué une CVE, un numéro de CVE. Ensuite, Print Nightmare, encore le cauchemar des administrateurs Windows. Là, je vais passer très très rapidement. Je vous recommande là, auto-promo, mais d'écouter le podcast No Limit Sécu que nous avons fait avec Benjamin Delpy sur le sujet. En gros, par défaut, sur tous les systèmes Windows, est activé le spooler d'impression, donc en gros le temporisateur des files d'attente d'impression, en particulier sur les contrôleurs de domaine, sauf que il est possible donc, de charger des pilotes d'impression, enfin d'imprimantes, avec ce spooler, et en particulier, donc ça permet de faire une élévation de privilèges locale, sauf qu'en fait, par des appels RPC, il est également possible d'obtenir cette élévation de privilèges locale à distance. Donc là, ça revient à une exécution de code à distance. En soi, c'est problématique, mais c'est surtout que Microsoft a mis un temps fou à proposer un correctif acceptable, parce que les correctifs étaient incomplets, contournables, simplement contournables, donc ça fait toute une histoire cet été. Il y a pas mal de graphes comme celui que vous voyez là qui ont été publiés pour vous expliquer où est-ce que vous en étiez sur le correctif. Je passe rapidement parce que ça a vraiment fait tout l'été. Benjamin a beaucoup d'ailleurs tweeté sur le sujet, je recommande donc les tweets de Benjamin Delpy sur le sujet. Je passe. C'est devenu un mème sur internet, Print Nightmare, parce que moi j'ai lâché au quatrième correctif, j'ai arrêté de suivre parce que j'en avais marre.
Je ne sais plus où ça en est exactement, parce que l'un des problèmes, c'est que une des recommandations, c'était de désactiver le spooler d'impression. Sauf que dans Windows, ça fait tellement de choses, finalement, le spooler d'impression, que c'est très compliqué. En plus, en temps de pandémie où les gens sont quand même chez eux, désactiver le spooler d'impression, ça peut être un petit peu gênant sur les postes si les gens ont besoin d'imprimer, même si globalement, les gens impriment moins. Alors, je ne sais plus de quand date ça, mais en gros, je ne sais pas si Nico, tu sais si le correctif est totalement disponible aujourd'hui et bloque tout? Je crois que les évaluations de privilèges locales ne sont pas patchées et ne sont pas à distance, ça l'est, mais localement, ça pose toujours un problème. Je crois, mais après, tu sais, moi, je ne fais plus de Windows. Hein. Bon, tout ça pour dire qu'à mon avis, l'été a été quand même très, très chaud pour les administrateurs Windows. Et très très gratifiant pour ceux qui faisaient des red teams. Ensuite, quelques vulnérabilités. Sans vouloir faire l'inspecteur des travaux finis, tu as oublié une faille dans la liste qui est ADCS, où excellent article de Wavestone qui est sorti dessus et ça a été présenté par Inspector Ops à Black Hat. Donc là, ce n'est pas vraiment une attaque. Hein. C'est pas une faille ou quelque chose qui nécessite un correctif, même s'il y a quelques failles autour des droits d'accès aux templates de génération de certificats et autres. Globalement, il y a eu un intérêt soudain pour la PKI Microsoft, qui est livrée par défaut depuis Windows 2000 et qui permet de faire plein de choses parce qu'on peut s'authentifier par défaut avec des biclés sur un système Windows. Et une des techniques les plus mortelles, c'est par exemple si on a eu accès à un contrôleur, enfin j'allais dire un contrôleur domaine, mais plutôt à une machine qui a le rôle de PKI dans un domaine Windows et qui n'est pas forcément un contrôleur de domaine, on peut en fait appeler directement l'API Windows pour se générer un certificat au nom de n'importe quel utilisateur. Et si on n'est pas passé par les interfaces et qu'on a appelé directement l'API, ce certificat n'apparaît pas dans la liste des certificats qui ont été générés. Et donc, on peut avoir un certificat pour un utilisateur donné, enfin, pour un nom d'utilisateur donné ou un RID donné, valable 20 ans. Et c'est totalement indétectable. Enfin, on peut détecter l'authentification basée sur ce certificat, mais on ne peut pas détecter le fait qu'il a été généré sur la machine parce qu'il n'y a quasiment aucun log. Donc, c'est la technique de persistance ultime. Après, il y a plein d'autres problèmes, par exemple, le fait que PetitPotam est exploitable via le serveur de certificat, etc. Mais ça, c'est des... On va dire c'est des détails d'implémentation qui potentiellement pourraient être corrigés un jour. Quoi. Et sortira prochainement un épisode de Limite Sécu justement sur ADCS. Quand tu auras fait le montage. Et d'ailleurs, je crois que Benjamin Delpy avait fait une présentation en Black Hat il y a des années où justement il avait abordé ce sujet-là. À confirmer. Le sujet a été abordé de temps en temps. Il me semble qu'à une époque, il y avait, quand on installait un contrôleur de domaine Windows 2000, il y avait une clé par défaut qui était utilisée comme racine de PKI, enfin, qui était dans le système, même si on ne la voyait pas. Et il y avait une blague du genre, c'était une clé RSA 512 ou quelque chose comme ça. Donc, tu pouvais récupérer la clé sur le contrôleur de domaine Windows, la factoriser et faire tourner ta PKI, même si l'administrateur n'avait pas activé la fonction. Et comme les certificats étaient quand même reconnus par défaut en cas d'authentification par carte à puce, par exemple, ben, ça marchait. Et ça, je crois que ça n'a jamais vraiment... Enfin, ça a peut-être été présenté dans une conférence, mais c'est passé complètement sous du radar. Et c'était lié à plein de problèmes. Par exemple, le fait que Windows 2000 est sorti en France sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à la DCSSI. Et donc, ils n'avaient pas le droit d'utiliser de crypto robuste. Donc, c'est comme ça, par exemple, que les clés... ce qu'il y avait avant la DPAPI, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, la crypto-API ou je ne sais pas quoi, dans les systèmes français, était limité à 40 bits, par exemple. Mais bon, ça, c'est... Là encore, il faut faire la formation d'Alex Ionescu pour connaître toute l'histoire de Windows et se rendre compte de tout ce qui n'a pas été publié comme faille. Parce qu'il y a tout ce qu'on connaît, mais il y a tout ce qu'on connaîtra pas ou qui n'est pas encore sorti. Il faut regarder le code source des vieux Windows. Bon, la première, je vais la passer. La deuxième est intéressante parce que c'est une vulnérabilité qui, au début, avait été décrite comme une vulnérabilité dans Microsoft Office, mais en fait, pas du tout, et qui est activement exploitée dans la nature pour compromettre des postes à partir de phishing. En gros, lorsque vous ouvrez un document avec Office, vous pouvez avoir des liens OLE qui peuvent pointer vers une URL, mais à l'extérieur de votre système d'information.
Et en fait, donc le contenu est téléchargé et est parsé, comme il est détecté que c'est de l'HTML, il est parsé par MS-HTML, en gros Internet Explorer. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez la vision des zones de sécurité de notre Internet Explorer, mais en gros, Internet Explorer, quand il l'est lancé et va naviguer sur Internet, c'est considéré comme une zone non sécurisée. Donc, il y a beaucoup de limitations. Mais quand vous êtes considéré comme étant sur une zone sécurisée, à l'intérieur de votre système d'information, sur votre poste, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont activées, en particulier les ActiveX. Et le problème, c'est que là, avec ce parsing de ce contenu téléchargé, c'est considéré comme une zone de sécurité sécurisée. Et donc, vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités, dont des ActiveX. Et en gros, là, l'attaque consiste à aller télécharger avec JavaScript un CAB, donc un cabinet, les formats de compression, enfin d'archives de Windows qui datent de Windows 3, je ne sais pas combien. Et en fait, il ensuite décompresse et charge une DLL en utilisant une sorte de pass traversal. Vous avez une petite capture d'écran de ce qui est utilisé dans l'exploit, dans l'attaque la plus fréquente sur Internet. Ça va essayer d'appeler la librairie avec plein de chemins différents, suivant où elle pourrait potentiellement avoir été stockée lors de la décompression du câble. Et il y a un correctif qui est sorti, je crois, très récemment, mais c'est activement utilisé dans la nature. Et le correctif corrige uniquement la dernière partie, donc pas le fait de télécharger du contenu externe avec Word. Ça marche toujours. Petit message à tous ceux qui font des pentests ou du phishing, des opérations de phishing ou des red team. Celle-là est assez rigolote, c'est qu'en gros, pour l'instant, ça n'est que un plantage de Windows, mais vous pouvez faire planter Windows avec une simple requête distante à partir de Windows Defender. Voilà. Bon, il y a un POC qui est sur ce GitHub. A priori, ça ne serait pas exploitable en exécution de code à distance, mais ça me paraît suffisamment trop récent pour pouvoir l'affirmer. En tout cas, ça permet de faire planter Windows Defender. Et donc le noyau. Ensuite, bon, je passe rapidement, des vulnérabilités dans tous les navigateurs, quasiment comme chaque mois. GitLab, je vais passer. Confluence, la dernière est assez intéressante parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, qui permet tout simplement d'arriver à une exécution de code sur le serveur à partir de Confluence. Souffer, c'est uniquement authentifié, mais ça a été ça a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie. Le code d'exploitation est sorti assez vite. iOS, bon, un certain nombre de vulnérabilités avec certaines exploitées dans la nature. GhostScript, ça c'est rigolo, lorsque vous chargez un point PS spécialement formaté, il y a une erreur dans le traitement du contenu qui se trouve après %pipe% et qui fait que vous pouvez exécuter du code tout simplement. Le fait est qu'en fait GhostScript, ça n'est pas utilisé que par GhostScript, c'est utilisé par exemple par less, donc la commande sous Linux less, donc si vous faites less d'un fichier PS, vous arrivez à une exécution de code. C'est aussi utilisé par, j'ai plus le nom en tête, l'outil Linux qui permet de faire tous les traitements d'images magiques. Images magiques utilise GhostScript, donc potentiellement si vous arrivez sur un site web où vous pouvez uploader du contenu, vous pouvez potentiellement arriver à exécuter du code par cette vulnérabilité. La première est rigolote parce que sous Linux, il y a pas mal de vulnérabilités qui ne sont pas considérées comme sécurité et qui sont corrigées. Mais ce qui fait que lorsque les gens n'appliquent que des correctifs de sécurité, ils ne bénéficient pas des correctifs vis-à-vis de ces failles. Il y a pas mal d'entreprises, dont je ne citerai pas le nom, qui régulièrement surveillent ça et ensuite codent les exploits correspondant à ces failles qui ne sont pas décrites comme sécurité pour ensuite vendre les exploits. Et donc là, c'est exactement ce cas-là. C'est une vulnérabilité qui n'est pas considérée comme sécurité avec un code d'exploitation, vous pouvez aller voir. C'est plutôt intéressant. L'autre sous Windows est très rigolote, donc je sais, j'ai plus le nom en tête du chercheur, j'ai que son pseudo. Lorsque vous installez une souris Razer sur un poste Windows et que vous faites une mise à jour des pilotes, vous avez l'écran noir et vert qui se trouve sur la capture d'écran derrière. Et en fait, vous avez un endroit où vous pouvez aller naviguer dans les fichiers. Sauf que, étant donné que c'est un pilote, il est exécuté, il est installé en tant que système, mais donc toute cette partie-là est exécutée également en tant que système, avec les plus hauts privilèges qu'il y a sur le poste. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un explorateur avec les privilèges système, et puis simplement en faisant un clic droit PowerShell, vous pouvez exécuter un PowerShell en tant que système sur le poste. Donc c'est assez fou, mais ça marche. Et ce qui est rigolo, c'est que l'auteur a publié tous les IDs des,
vendors et des produits USB que vous pouvez connecter ou enfin supportés par Windows 10, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les séries et tous les périphériques du monde. Vous pouvez en fait spoofer les ID pour tester et voir si il y a ce type de vulnérabilité dans d'autres outils. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a d'autres périphériques qui ont ce genre de faille entre guillemets. Mais c'est pas vraiment, je trouve ça pas vraiment comme une faille, mais plus comme un détournement d'une fonctionnalité. iOS 4, je viens de le faire ce slide. Ah oui, bizarre. Cisco, bon, encore pas mal de vulnérabilités, mais je passe rapidement. Storchim, oui, bon, tout ça, je l'ai passé également. Sauf si vous voulez insister dessus, je regarde dans le chat si quelqu'un est intéressé en particulier, mais bon, je passe. Il y a 60 slides, on en a au 23. Bon, des vulnérabilités sur Fortinet, Palo Alto, ça c'est hallucinant. Donc les firewalls Palo Alto écoutent heureusement. Ah oui, oui. Fortinet, là, Fortinet, c'est un autre slide. J'en parle après, oui. Ok, d'accord, oui. Pardon. Parce que je t'ai passé tellement vite. Fortinet. Ah, d'ailleurs, Juniper, je ne sais plus si j'en parle. Je verrai si j'en parle. Donc, Palo Alto, un truc hallucinant, c'est que c'est les firewalls écoutent en telnet sur l'interface d'administration et cette interface telnet est vulnérable à un buffer overflow en 2021. Donc c'est juste hallucinant. Donc vous avez une exécution de code sur la carte d'administration des Palo Alto. Et l'autre vulnérabilité, c'est une injection de commande, mais de commande à partir du portail web. Donc l'intérêt de la commande, c'est que c'est vraiment stable. Alors qu'un buffer overflow, il faut coder l'exploit, enfin gérer la mémoire, c'est pas simple. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est une injection de commande. Ah, dans le chat, on demande est-ce que ça marche si le PC est verrouillé. Je suppose que c'est pour les pilotes Razer. Non, puisqu'il faut une interaction en allant cliquer sur la fenêtre d'installation pour aller naviguer dans l'explorateur. Donc non, il faut que la session soit déverrouillée. Mais ça peut être intéressant pour un utilisateur pour élever ses privilèges localement. Juniper, je ne sais plus si j'en parle après. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'article, alors je vais en parler tout de suite. En 2015, en fin de 2015, Juniper avait communiqué sur le fait qu'ils avaient trouvé deux portes dérobées sur leur firewall. C'était pas JunOS, c'était ScreenOS, je crois. Et une des portes dérobées en particulier, l'une c'était en fait un affaiblissement de la partie cryptographique des tunnels VPN et l'autre c'était une backdoor avec un compte qui disposait d'un mot de passe un peu bizarre qui ressemblait presque à une chaîne de debug et qui permettait en fait à distance de prendre le contrôle tout simplement du firewall, de se connecter dessus en admin. Donc il y a une enquête, à l'époque personne ne savait d'où venait l'attaque. Il y a une enquête qui a été menée, je crois, par Bloomberg, et la conclusion a été que, en fait, c'était les Chinois, mais il n'y avait pas que les Chinois qui étaient passés sur Juniper. Au final, il y avait eu une première compromission, entre guillemets, ou affaiblissement des Juniper venant de la NSA, avec le fameux dual RGBC que j'arrive jamais à prononcer, donc le générateur de nombres pseudo-aléatoires qui avait été backdooré par la NSA. Ça avait été la première faiblesse de Juniper, donc qui a été mise en place par la NSA. Ensuite, les Chinois, un groupe d'attaquants chinois a compromis le système d'information de Juniper, a eu accès au code source, a affaibli le chiffrement du VPN. Je crois que c'était sur PEQ, enfin, ça utilisait la symétrie RSA, et sur PEQ, ils avaient modifié Q de mémoire en mettant leur propre valeur de façon à pouvoir prédire les clés générées et donc être capable de déchiffrer les tunnels VPN. Ils sont reconnectés quelques années après, je crois que 2012-2014, quelque chose comme ça. Je dois rajouter dans les slides. Et là, tout simplement, rajouter une porte dérobée avec un compte d'administration, quoi, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc ça, l'article est sorti il y a très très peu de jours. Je regarde, mais là, je ne retrouve pas. Bon, je le retrouverai à la limite, je vous le rajouterai dans les slides. Ah, si. Est-ce que vous voyez ce que je passe à l'écran, là ? Moi, je vois un mail, oui. Ouais. Alors en fait, en gros, il y a dans l'article, voilà, en gros, ça se résume en un seul graphique, qui est celui du bas.
Donc c'est ça, 2008 la NSA, 2012 première compromission par les Chinois avec l'affaiblissement de la partie cryptographique, et 2014 injection de la porte dérobée qui permettait de se connecter. Et je crois que le mot de passe, j'ai dû le mettre un peu avant dans mon mail. Voilà, le mot de passe, c'était ça. C'était un compte d'administration avec ça comme mot de passe qui permettait d'être assez discret si on reversait le firmware Juniper. Donc c'était bien les Chinois. Ah bah si, je l'ai mis. Parfait, ça tombe bien. Bon voilà, très bien, ça s'enchaîne. Vous sentez la présentation bien préparée, de longue haleine, depuis des semaines? Alors ça, c'est l'évolution du nombre de CVE par éditeur par mois. Ça n'a pas été remis à jour, nous avons manqué de temps, mais bon, en gros, l'idée, c'est de comparer le nombre de vulnérabilités par éditeur, sachant que ce n'est pas forcément comparable, dans le sens où certains éditeurs ont beaucoup plus de logiciels que d'autres. Typiquement, Oracle a des centaines de logiciels, là où Google, par exemple, se limite à quelques logiciels. C'est un petit taquet pour Nicolas, ça. Passons. Hack 2.0. Alors, si vous êtes habitué de Microsoft et d'Azure, vous utilisez peut-être les bases de données CosmoDB, qui sont dans vogue en ce moment pour manipuler des grandes quantités de données. Et Microsoft a sorti un outil qui s'appelle Jupyter Notebook, qui est basé sur Jupyter, donc un outil en Python, pour visualiser ces données, manipuler, faire des statistiques, etc. Et le problème, c'est que Microsoft a activé par défaut Jupyter pour tous ceux qui avaient CosmoDB en février 2021. Et en fait, il y a une faille, entre guillemets, qui fait que lorsque l'on a accès à un notebook Jupyter, il est possible de rebondir sur le notebook d'un autre et donc de récupérer sa clé d'API CosmoDB. Et une fois qu'on a la clé CosmoDB, on peut accéder à la base de données de l'autre et télécharger tout le contenu de la base de données. Les détails techniques n'ont pas été publiés pour l'instant. En tout cas, il y a quelques jours, il n'était pas encore publié, mais en gros, c'est plutôt intéressant et c'est vraiment l'une des problématiques du cloud de manière générale, c'est que tout le monde est hébergé sur les mêmes plateformes et une faille permet potentiellement d'aller récupérer les données de tous les autres. Ah, alors, NSO Group, grosse actualité sur NSO Group. Déjà, le premier sujet, c'est qu'ils se sont fait attraper en train d'aider le sultanat du Bahreïn à pirater des activistes, ce qui est plutôt mal vu. Mais surtout, il y a eu un grand scandale cet été avec la publication, enfin, un certain nombre de journaux, de consortiums de journalistes, dont Le Monde fait partie, d'une liste, enfin, la liste n'a pas été publiée, mais il y avait 50 000 cibles potentielles de clients de NSO Group. Donc, pour rappel, NSO Group, c'est une entreprise israélienne d'anciens de Unit, puis c'est 8200, entre autres, qui développe des malwares, pour faire simple, des outils offensifs qui permettent de prendre le contrôle d'un équipement PC, Mac, Linux, téléphone iOS, Android, à distance, d'en prendre le contrôle et puis ensuite de, je crois, activer la caméra, le micro, de récupérer toutes les données, etc. Théoriquement, sur le papier, ils sont censés vendre uniquement à de belles démocraties et aux forces de l'ordre. Dans les faits, ils vendent à des dictatures, des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et donc, il y a eu une grosse fuite de données de 50 000 cibles potentielles, dont des journalistes, des politiques, notre président Emmanuel Macron, des princes africains, des chefs d'entreprise, etc. Donc, ça fait un grand scandale. En réponse à ça, AWS a coupé toutes les infrastructures de NSO qui étaient hébergées sur AWS, parce qu'en fait, NSO n'agit pas directement. NSO fournit les solutions à des clients qui ensuite font les compromissions et espionnent les cibles. Et alors, ce qui est rigolo, alors je ne sais pas si c'est lié, mais Moody's, l'agence de notation, a baissé la note de NSO Group. Pas forcément du fait de cette fuite, enfin cette fuite, mais beaucoup du fait de résultats commerciaux décevants par rapport aux prévisions. Ce qui est intéressant, c'est que le malware a été décompilé, des malwares ont été décompilés et publiés, donc si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder.
Et surtout, donc ça date d'il y a très peu de temps, tout le monde se posait la question de savoir comment est-ce que NSO faisait pour accéder aux terminaux, essentiellement terminaux mobiles. Donc beaucoup parlaient de chaînes de compromis, enfin, chaînes d'exploitation dites zéro clic, c'est-à-dire sans action de l'utilisateur, essentiellement basée sur l'envoi d'un mail, d'un SMS, d'un message WhatsApp ou d'une communication TOIP, enfin VOIP WhatsApp, des choses comme ça, pour déclencher une première vulnérabilité, pour juste exécuter du code userland dans la cible, et ensuite utiliser d'autres vulnérabilités pour avoir une fuite mémoire, et ensuite essayer de délever ses privilèges pour prendre le contrôle total de l'appareil. Et là, donc, apparemment, lors d'une opération d'un forensic, la première vulnérabilité aurait été identifiée tout du moins pour iOS et Mac. C'est une vulnérabilité au sein de eMessage, donc l'application de messagerie Apple. Et en fait, lorsqu'on envoie un PDF avec une image au format JBIC 2, que je ne connaissais pas du tout, mais qui est apparemment ultra connu, ça fait simplement un buffer overflow, ça permet d'exécuter du code. Donc la vulnérabilité a été corrigée par Apple hier ou aujourd'hui, les correctifs ont été déployés, donc si vous avez un iOS, Mac, etc., mettez à jour rapidement. Chose très intéressante, NSO Group cible un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme et autres, enfin plutôt les clients de NSO Group ciblent un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme, et il y a quelques années, un des défenseurs des droits de l'homme, alors je ne sais plus si c'était en Arabie Saoudite ou États Arabes Unis, je ne sais plus, enfin bon, s'était fait compromettre plusieurs fois, avait fourni son téléphone à Citizen Lab, qui est un laboratoire d'analyse indépendant d'une université canadienne, et qui a pour spécialité de faire de l'informatique justement sur des équipements type PC, mobile, etc. pour rechercher des compromissions. Et donc ils ont analysé les téléphones, et c'est eux qui ont trouvé la faille exploitée. Mais ce qui est intéressant, c'est que Amnesty International travaille aussi sur le sujet et a fourni déjà des IOC, donc ça c'est pas mal, pour détecter les compromissions, ainsi que carrément un outil pour aller rechercher dans des sauvegardes iOS s'il y avait des traces de compromissions. Alors c'est très bien, bon, déjà le problème c'est que ce qui est un peu embêtant, mais en tout cas c'est pas si grave que ça, c'est que les IOC maintenant sont entre guillemets plus utilisables pour les prochaines attaques, parce que normalement si les gens d'NSO sont pas idiots, et je doute qu'ils soient idiots, à mon avis, ils ont dû adapter leurs outils de façon à ne plus laisser les traces détectées par Amnesty International. Mais surtout, le problème de ce type de compromission, c'est que moi, j'ai un client qui m'a demandé de définir un processus pour être capable de réaliser une démarche forensique sur tous ses iPhones. Sauf qu'il a des centaines d'iPhones et c'est impossible parce que ça nécessite d'avoir le backup de l'iPhone, la sauvegarde, qui est très volumineuse, et quand vous avez des gens à déployer à travers toute la planète, c'est juste impossible de tout récupérer. Et même à distance, on avait envisagé d'aller déployer tous les outils sur les Mac ou les Windows des clients, leur demander de connecter le téléphone à l'ordinateur. Mais même là, c'est compliqué. Autant sous macOS, c'est encore envisageable. Sous Windows, c'est très compliqué parce que ça demande l'installation de beaucoup d'outils. Et je crois qu'il y a même un problème sur le mapping de la mémoire avec les outils utilisés par Amnesty International qui fait que c'est très très compliqué sous Windows, voire ça ne marche pas du tout. Tout ça pour dire, si vous avez un doute sur un ou deux téléphones, c'est envisageable. Si vous voulez scanner tout votre système, enfin, tous les téléphones de votre flotte mobile, oubliez, en tout cas pas avec ces outils-là, parce que ça ne va pas être possible. Et vous allez embêter vos experts pour pas grand-chose. Ceux-là, je ne les ai pas du tout lus. Sauf le dernier, rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un pipeline américain très, très important qui a été coupé suite à une attaque informatique. À la base, ils avaient parlé d'une attaque ultra avancée, puis en fait, comme d'habitude, c'était juste un accès, donc là, c'était un VPN exposé, juste un login et un mot de passe. Les gens sont rentrés, ont fait ce qu'ils avaient à faire, et voilà. Donc, pas du tout d'attaque avancée. Ces deux-là, je vous avoue, ne pas du tout les avoir regardés. Je ne sais pas si quelqu'un à les informations, sinon je les passe rapidement. Non, pas d'infos. Ok, passons. Ah ben ça, c'est ce dont parlait Hervé tout à l'heure. Alors je sais pas, je connais pas exactement l'origine, mais en gros, des cybercriminels ont publié une liste de un peu plus de 80 000
adresse IP avec des VPN Fortinet, avec les logins et mots de passe associés pour se connecter en VPN. Je ne sais pas ce qu'est le pire, qu'il y ait autant de gens qui utilisent uniquement des logins et des mots de passe, ou que la publication soit aussi massive. Je me suis amusé à faire des statistiques. Alors juste, vous avez là sur la gauche une petite capture d'écran avec quelques exemples d'IP, et à chaque fois, vous avez un fichier texte avec le login et le mot de passe de l'utilisateur. Et ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si c'est assez gros, si vous le voyez, mais j'ai fait le top 20. Alors pourquoi 20? Parce que je voulais que la France soit dedans, et puis parce que je trouvais que top 20, ça fait mieux que top 17 ou top 23. Et donc vous voyez qu'en fait il y a beaucoup d'adresses IP aux États-Unis, au Japon, et finalement la France n'est pas très très loin, elle est sixième. Voilà, je vous ai mis, alors vous avez un lien avec un ghost bin, je l'ai fait tout à l'heure avec juste les adresses IP. Vous avez en fait le sigle du pays, et enfin les lettres du pays et l'IP. Je vous recommande quand même, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vérifier si vous avez du Fortinet ou même pas, si vos IP sont dedans, au cas où, ça ne mange pas de pain, c'est CTRL F, votre IP, enfin vos IP, et vous regardez. Vous avez exactement vous avez également le site donc dans Tor avec l'accès à l'archive, je ne sais pas s'il est encore accessible, au pire vous me l'a demandé, et vous avez un article de Bleeping sur le sujet. Ce qui est supposé, c'est que ce soit une vulnérabilité. Alors, j'ai plus le nom CVE de la vulnérabilité, mais il y avait une vulnérabilité l'année dernière sur Fortinet qui permet. Ah si, je l'ai mis en haut, je suis bête, excusez-moi. En 2018, pardon, qui permettait en fait de faire une lecture arbitraire de tout fichier sur Fortinet. Et donc, je pense que c'est cette vulnérabilité. Enfin, c'est ce que les gens pensent. Cette vulnérabilité a été exploitée pour extraire de tous ces Fortinet. Enfin, en gros, Internet a été scanné. Pour extraire de ces Fortinet les comptes qui, a priori, seraient locaux. Parce que normalement, s'ils sont des comptes AD ou autres, la requête est censée se faire vers l'annuaire, donc on n'est pas censé avoir de comptes locaux. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vous laisse faire vos contrôles F avec vos adresses IP. Idem, celle-là, je n'ai pas du tout eu le temps de la lire. Bon, voilà, c'est dans le titre. Nouveau malware chez le groupe Fin7. Ensuite, pas mal de sujets sur les ransomware, entre des rançons payées énormes et de nouvelles compromissions. Bon, je passe rapidement parce que ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Également, enfin, le service de santé irlandais, mais comme beaucoup qui ont été compromis. Beaucoup d'attaques sur les ransomware, mais aussi beaucoup d'arrestations. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Entre des publications de clés, je crois que c'est le slide d'après. Là, c'est des arrestations, mais entre des arrestations, des publications de clés, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles face au groupe ransomware. Mais malheureusement, ça continue. Ça, c'est rigolo. Je suis tombé dessus par hasard. Un malware pour macOS incluait en fait le fichier swap du développeur. Et le problème, c'est que dans la swap, il n'y a pas d'informations, dont le nom de l'ordinateur qui a permis de générer l'archive. Et donc là, il y avait le nom de l'attaquant, enfin de l'auteur du malware. Pas très très discret. C'est comme quand vous faites un document Word et que vous pensez l'avoir nettoyé pour une attaque et qu'en fait vous avez laissé le nom des fichiers printer dans le. Parce que les fichiers Word sont des archives zip. Vous avez un des fichiers qui correspond à la description de votre imprimante locale et potentiellement ça peut laisser fuiter des informations. Je passe aussi, parce que ça j'ai pas eu le temps de les voir, et j'en suis désolé. Publication de la CNIL, bon c'est la stratégie de contrôle de la CNIL qui a été publiée. Sans surprise, la cybersécurité fait partie de ses priorités, ainsi que les données de santé suite à toutes les problématiques qu'il y a eu ces derniers mois, voire années, et en particulier la fuite de données d'Edalus avec, je crois qu'il y avait 500 000 Français dans la fuite. Je passe, ça non plus, j'ai pas eu le temps de les regarder. Ça c'est intéressant si vous voulez faire de l'analyse de mobile Android ou iOS. Renderisec a publié 4 fiches assez intéressantes sur, pas toutes, mais un certain nombre de techniques qui permettent de faire de l'analyse de mobile. Et je crois que dans les commentaires de ce tweet, il y a pas mal d'éléments supplémentaires, d'outils supplémentaires, donc ça peut être intéressant à lire. Et puis ça, c'est si vous avez en compromission besoin d'avoir un proxy HTTP, HTTPS,
vous avez celui-là qui est en C Sharp, qui est plus ou moins stable, mais surtout qui peut être appelé en tant qu'assembler. Donc ça peut être intéressant pour du web. Alors ça, je ne l'ai pas lu. Mais a priori, vous avez la possibilité d'avoir des éléments supplémentaires à préciser sur Azure Blob Storage. Bon, je vous laisserai lire, les slides seront publiés assez rapidement. Le premier, c'est assez intéressant, donc c'est le développeur DolayTools qui a développé un petit émulateur VBS, ce qui permet de vraiment émuler les macros et donc de savoir si elle est potentiellement malveillante. Thibaut aussi, Hitmiser, a publié il y a quelques jours tous ses outils pour analyser le malware TinyNuke. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez extraire la DLL, extraire la configuration. Donc, vous avez les adresses IP des CNC et ça, ça peut vraiment beaucoup aider pour la défense. Sur la vie privée, ça, je vais passer, l'intérêt est limité. Et le fait que oui, c'est en Chine, mais sans surprise, c'est compliqué en Chine de protéger les données de ses utilisateurs. Et Apple, c'est compliqué aujourd'hui pour Apple. La Chine dispose à peu près de la même loi qu'en Russie, c'est-à-dire qu'il faut héberger localement les données des utilisateurs. Alors, côté business, je crois que nous en avions déjà parlé la fois précédente, mais donc FireEye a revendu Mendiant, sa partie Mendiant de conseil, parce qu'en fait, ça leur posait des problèmes de lisibilité de leur offre, parce qu'ils étaient à la fois conseil et à la fois éditeur de solutions de sécurité. Donc les deux structures ont été séparées, donc la partie conseil a été revendue. La version produit a été revendue. Également TikTok, enfin ça c'est sans surprise, les conditions générales de TikTok ont changé, tout est collecté, c'est sans surprise, et à mon avis ça va être très très rigolo de croiser ça avec la fuite de données des 250 millions d'Américains qui a été publiée il y a quelques mois. Ça, par contre, c'est plutôt triste. Vadé Secure est une entreprise lilloise, sauf erreur, qui édite une solution de sécurité du mail, comme son concurrent américain Proofpoint. Mais malheureusement, ils ont été confrontés au protectionnisme américain et ont été attaqués en justice par Proofpoint il y a quelques temps déjà, et pour vol de secrets, et malheureusement ont perdu et devront payer un peu plus de 13 millions de dollars d'amende à Proofpoint. Je vous ai mis la timeline là, que j'ai pu reconstruire à partir des éléments, mais en gros ils ont embauché une personne qui était dans une entreprise qui a été rachetée par Proofpoint après coup, et cette personne serait partie, enfin d'après le jugement est partie, avec des morceaux de code venant de donc l'entreprise CloudMark, et en particulier des adresses IP, des choses comme ça. Enfin bon. Donc c'est plutôt embêtant parce que Vadesecure aura du mal à attaquer à nouveau le marché américain, surtout que c'est arrivé au moment où ils devaient faire une levée de fonds qui était de plus de 70 ou 80 millions de dollars, et la levée de fonds a été annulée justement du fait de cette histoire. Donc je souhaite bon courage aux gens de Vadesecure, nous leur envoyons nos meilleures ondes, mais ça semble compliqué aux États-Unis. Et de manière générale, c'est compliqué pour toute entreprise étrangère d'attaquer le marché américain face à ce protectionnisme. Ça aussi, ça fait pas mal de bruit dans l'actualité, donc je ne sais pas si vous connaissez Nexa, qui est en fait une entreprise qui avant s'appelait Intellexa, qui est la fusion de Nexa avec une entreprise qui s'appelle Whisper, qui est une entreprise israélienne, et une autre qui s'appelle Senpai Technology, en gros qui fait essentiellement de l'écoute et de l'espionnage de télécommunications, sauf que leur solution a été vendue en Libye et en Égypte, en particulier pour aller espionner des dissidents politiques, et donc le parquet, fallait juste le tribunal judiciaire de Paris, poursuit en justice les dirigeants d'Amesis pour complicité d'actes de torture et les dirigeants de Nexa pour complicité d'actes de torture et disparition forcée. Donc c'est plutôt chaud, en tout cas sur un CV je pense que ça pique un peu, et donc l'instruction est en cours. Ça, je crois que ça concerne les attaques dont l'Europe a été victime par les Russes, et donc prolongation des sanctions. Donc,
Je crois qu'il y avait blocage des comptes et de différentes choses comme ça, et interdiction d'entrée sur le territoire. Alors ça, c'est rigolo. Le deuxième point, c'est que donc il y a WhatsApp possédé par Facebook qui avait changé ses conditions générales d'utilisation l'année dernière pour coller finalement à leurs usages qui s'entendent, enfin qui se sentaient pas, qui décrivaient que leurs données allaient être, enfin, les données des utilisateurs Facebook allaient être croisées avec les données des utilisateurs WhatsApp. Donc ça a fait un tollé en Europe. Il y a d'ailleurs une belle migration d'utilisateurs vers Signal et Telegram. Et donc apparemment, l'Allemagne interdit à WhatsApp de récupérer les données personnelles. Facebook a fait appel, mais bon, je doute qu'il respecte cette demande de l'Allemagne. Juridique aussi, ça c'est très intéressant. Donc le doxing, qui est le fait de trouver des données sur une personne sous pseudonymat, donc par exemple un compte Twitter ou autre, de trouver ses données personnelles, nom, prénom, adresse, etc., photos, et de les publier. Donc c'est plutôt une technique qui date de quand j'étais plus jeune, de la Warez et de guéguerre entre groupes de pirates entre eux, où le grand jeu c'était de doxer les adversaires et publier les choses, les informations. Donc aujourd'hui, le doxing, enfin précédemment, le doxing n'était pas illégal parce qu'en fait, il n'était pas décrit dans le code pénal. Et suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty, donc la loi a changé et aujourd'hui, ça devient illégal. La grande question que les juristes posent, et je regarde si Marc-Antoine réagit, c'est comme vous publiez quelque chose sur Internet, ben malheureusement ça reste. Est-ce que les actes passés seront répréhensibles ou ça ne seront que les nouveaux qui seront répréhensibles? Je crois que pour l'instant ça n'est pas tranché. Que les nouveaux. Très bien, parfait. C'est donc tranché. Uniquement les nouveaux. Merci, Marc-Antoine. Ensuite, conférence. Donc, conférence très intéressante, le NetMask et la plume, organisée par JP et un certain nombre d'autres, que vous pouvez revoir sur YouTube. Conférence Barbac, dont Nicolas nous a fait le compte rendu aussi à Toulon. Corinne et Fic, qui ont eu lieu la semaine dernière, après de nombreux décalages. Les conférences à venir, donc le hack, je ne sais pas où ça en est, si c'est toujours décalé ou pas. Et BotConf qui devait avoir lieu, qui devait se tenir en décembre et qui a été décalé à avril. Si j'ai oublié des conférences, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat ou ailleurs, nous les rajouterons dans les slides. Dernière partie, mais qui va être assez courte. Je pense que tout le monde connaît Thalys Ormandy, qui est un chercheur chez Google Project Zero, qui s'amuse souvent à taquiner un peu les antivirus. Et là, il a trouvé une vulnérabilité assez rigolote sur Windows Defender. Où en gros, malgré les annonces de Microsoft, Windows Defender ne traite pas la décompression d'archives de binaires en mémoire, ne traite pas en mode protégé, ne traite pas dans une sandbox. C'est reste encore en kernel. Ce qui fait qu'en cas de vulnérabilité, c'est classique sur certains antivirus, en cas de vulnérabilité, vous êtes directement en mode noyau, donc vous avez tous les privilèges. Et donc là, en fait, la décompression d'un certain packer de malware qui s'appelle Ice Protect se fait en mémoire. Et alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a une émulation, il y a une librairie DLL qui est extraite pour ensuite émuler et décompresser une autre partie du code. Et en fait, la DLL avait été ignorée du scan de Windows Microsoft Defender et le code exécuté dans la DLL en général ne sert que à décompresser ou dépaquer le reste. Mais si on met du code dans cette DLL, il est exécuté, on arrive à une exécution de code en tant que système. C'est plutôt rigolo. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est Aurélien qui a gentiment mis un lien vers deux petits outils tout pourris que j'ai publiés sur GitHub et pour lesquels j'ai fait une présentation Rumpastic qui permet juste d'avoir deux petites techniques pour améliorer vos dictionnaires pour casser des mots de passe quand vous avez des mots de passe à retrouver. L'écoute du NSA de l'Allemagne par la NSA grâce au Danemark, bon, ça nous en avions parlé la dernière fois, je crois, donc je passe. Ça aussi, c'est surprenant. C'est donc Zerodium, qui est un broker de vulnérabilité 0D, qui a priori chercherait des vulnérabilités sur PIDD, qui seraient publicitées par les attaquants. Donc, c'est surprenant de les voir demander, rechercher des vulnérabilités sur le sujet, mais bon, en tout cas, ils en recherchent.
Si vous en avez eu, vous pouvez le revendre. Par contre, ne demandez pas après à qui ce sera vendu. Et le second, je ne l'ai pas lu. Bon, ça c'est classique. La panne d'un SyndDN, ça a des impacts assez importants. Et on l'a déjà vu. Enfin, je crois qu'il y a Cloudflare qui est tombé l'année dernière. Enfin, il y a régulièrement les grands acteurs du web qui tombent et beaucoup de services associés tombent également. Donc là, c'est le coup de Fastly. Ça, je ne l'ai pas du tout lu. Donc c'est l'entreprise Exagrid, pardon, qui a été compromise par Conti et qui a priori a payé une rançon de 2 millions de dollars, ce qui n'est pas bien. Et ça, je crois que c'est le dernier slide. Tout à l'heure, Nicolas parlait de présentation sur l'OSINT à Barbac. Et alors, je vous recommande, ça se lit assez rapidement, ce thread de tweet qui est assez rigolo, où en gros, donc vous avez une personne là qui tient une pancarte, qui dit être nurse dans un hôpital, enfin, ou infirmière, et qui dit, voilà, avoir passé quasiment 2 ans face au Covid sans jamais avoir été infectée. Et donc les gens ont commencé à chercher si c'était vrai ou faux et ont réussi à retrouver la pancarte sur une autre photo sur Facebook. On réussit, comme l'a décrit Nico, avec les rues, des bouts de mots, les feux rouges, etc., à retrouver d'où venait la personne. On réussit à trouver l'hôpital dans lequel elle travaillait et je crois qu'en fait elle n'est même pas infirmière ou il y a un truc comme ça où elle n'est pas depuis. Enfin, elle dit être là depuis 500 jours, mais dans les faits, elle a été embauchée beaucoup plus récemment. Enfin, en gros, ça sous-entend que ce qu'elle dit est faux. Donc finalement, le zint, ça sert. Et c'était le dernier slide pour cette revue d'actualité expéditive. Prochaine réunion le 12 octobre 2021, toujours en visioconférence. Et malheureusement, je doute qu'il y ait un afterwork avant Q4. Et encore Q4, ça n'est pas dit, mais si la situation s'améliore vraiment, nous essaierons d'organiser un afterwork. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.